Le Japon. Tout le monde connaît le pays du soleil levant. Si comme moi tu as grandi dans les années 80-90, tu as certainement découvert ce pays grâce à ça. Ou grâce à cela si t'es un peu plus jeune. Et si t'as moins de 20 ans et que ta première rencontre avec la culture nippone s'est faite avec ce truc-là. I have a pen. I have an apple. Eh bien là, je peux rien faire pour toi. Et pour finir, si t'as plus de 50 ans, tu as certainement entendu pour la première fois parler du Japon via tes livres d'histoire. Ouais, pas cool. Mais de façon plus générale, on se fait tous une idée du Japon, car avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux et des vlogueurs YouTube ces 10 dernières années, le Japon a certainement été le pays le plus médiatisé. Non, sans rire, si tu me demandes si je connais un autre pays comme la Bulgarie, eh bien, voilà, voilà. Alors que le Japon, tout le monde connaît au moins les sumo, les sushis, les samouraïs, et j'en passe. Ah si, 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 en Bulgarie, ils font des yaourts. Mais si on parle autant de lui, c'est parce que le Japon fascine par sa culture hors norme, préservée à travers les âges, mais aussi son avancée technologique et surtout son habilité à concilier parfaitement les deux. Mais voilà, quand on possède une culture si riche, une architecture unique, des rituels ancestraux, une esthétique artistique telle et la capitale la plus importante du monde, on oublie bien trop souvent de parler de la nature. Parce que oui, les terres japonaises sont plus qu'incroyables, mêlant vastes plaines, massifs montagneux, îles paradisiaques, volcans qui n'ont strictement rien à envier à la terre du milieu. Si, si, je t'assure. Mais bon, trêve de bavardage, autant profiter de l'un de mes road trips sur l'île d'Hokkaido pour t'en donner la preuve en image.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'a plu. C'était certainement la plus travaillée de ma chaîne en termes d'écriture, de montage et de colorimétrie. Alors n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un gros like ou un commentaire, encore plus que d'habitude. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste là, comme ça t'es sûr de rien louper. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de m'encourager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps-là, prends soin de toi, profite de la nature, surtout respecte-la. C'était le Wanderer. Matane.